nombreux sont Théo, alerte, alerte. C'est chaud entre Priscaline et Compressor. Priscaline lave, c'est vraiment Compressor qui la traite de vendeuse de dos. Jusqu'à ce que Compressor a pris ses photos, exposé ça sur sa page. En tout cas, la famille, on écoute la version de Priscaline de dire réellement comment ces photos ont fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Gringa, il t'avait dit quoi? Et pas tu m'imbaye que wow, tu es parti t'accumuler avec ta fille. Tu dis que nous on est rien ton. Gringa, le goût que va te prendre, tu blagues non mais. Si tu blagues Gringa, tu tapes le digital comme ça. Si tu blagues, je fais ma faute, t'appelle plus. Parce que là on tient encore la force, parce que tu tiens encore ma reine mais. Et donc tu blagues Gringa, je tape le digital. Tu blagues, je fais en sorte que ma faute ne te calcule plus, qu'elle ne t'appelle plus. Tu es jalouse, oui. Il n'y a que des bonnes personnes qui tournent autour de ma faute. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es une grosse jalouse Gringa. Mon frère, tu veux clasher ma mère, faut clasher, non? Pourquoi tu tournes? Tu es jalouse, mon frère. Tu as remarqué pourquoi? Gringa, tu as remarqué pourquoi, Ouais, le guac de ça. Ça me dit toutes les blogueuses, les grandes blogueuses de la diaspora. Chacun était à son rendez-vous. Chacun allait honorer ses fans. Toi, Gringa, tu étais où? Hein? Tu étais où, Gringa? Quand les stars sont allés honorer leurs fans, tu étais où? Tu étais caché, tu fais le Congo, ça, le guac te choquait. Spécial, sale, jalouse. Tu dis que, tu blagues, je tape le dicalo comme ça. Je tape même au sol que tu. Comment faut te boycotte? Oui. Comment faut te boycotte? Un rien ton. Tu n'as pas honte? Femme sans personnalité. Ya! Wouh, Gringa! Wouh, Gringa! Maman, Priscaline n'a plus le pouvoir comme ça. Tu disais que tu ne me calculais pas. Mais maintenant, maman, faut me calculer, tu as mon macabo, Gringa. Maman, faut me calculer, tu as mon macabo jusqu'à ce point, maman. Wouh! Tandis que les gens pensaient que, wouh, Priscaline, tu es jolie. Wouh, Priscaline, félicitations. Gringa, je ne suis pas aigri comme toi. Quand j'aime quelqu'un, non, je porte la personne sous mon dos. Gringa, toi, tu as la soirée de ma team pédagiste. Tu étais incapable de faire un direct. Tu es incapable de valoriser ta soit disant que c'est ta yamseur. Tu es incapable. Tu vas voir Tata Lolo à la soirée là. Tu vas voir. Même si Tata Lolo a soumis n'importe comment. Tu vas voir comment elle va faire la publicité de cette soirée. Tu vas voir comment Lolo va faire la publicité. Tu vas voir comment Lolo va vanter. Même si le jour là, Lolo est avec un show. Même si le jour là, elle est avec qui. Tu verras comment elle va vanter la soirée de Mafo. Ça, elle est gris comme toi. Donc, tu me voyais aller dans cette soirée. Je vois ma Mafo, je baisse les yeux. Non, tu es toqué, Gringa. Tu es toqué. Donc, tu veux que moi je vois. Elle dit que j'ai dit que je suis Tinda. Tinda Abel, demain jusqu'à demain. Tu n'es personne. Tu as vu comment Mafo t'a accueilli? Tu as vu comment le peuple camerounais a dit que Mafo, c'est la, elle porte, c'est l'influenceuse, c'est l'influenceuse du continent. Nous ne pouvons plus dire diaspora parce qu'elle est suivie partout. Tu es venu gratter la stamina de Mafo. Gringa, tu n'étais personne. Et toi, au Cameroun, là-bas, qui te connaissait? Gringa, qui te connaissait? Même quand on poste souvent, quand les papas nous apportent souvent les vrais stars. Gringa, tu as vu ton nom là-bas? Est-ce que tu as vu ton nom quand on poste souvent les stars de la diaspora? J'ai vu, on a posté Mafo. J'ai déjà vu, on a posté Tata Lolo. J'ai déjà vu, on a posté la veuve joyeuse. Toi, je n'ai jamais vu. On ne t'a jamais posté. Même Tata Aline, on l'a déjà posté. Gringa, on ne t'a jamais posté. On ne t'a jamais posté. C'est son frère. Elle appelait son frère de venir te gérer. De venir propulser sa copine. Ça l'ingrate de ton état. Tu t'assois, tu parles. Gringa, tu vas donner des conseils à qui? Toi, tu es placé pour me conseiller. Gringa, tu es placé pour me conseiller. Donc, si les vraies personnes veulent me conseiller, toi, Gringa, tu fais pas. Tu sais, beaucoup de réseaux là. Ça se passe comment? Tu voulais que je fasse voyager tes nièces au Cameroun, non, Gringa? N'est-ce pas? Tu es en Europe depuis les années, Mafo, au moins Mafo. Elle a fait monter sa mère. Toi, Gringa, tu as réalisé quoi? Qui de ta famille est un bengue? Tu as voulu comme moi, Priscaline, tu m'as appelé. Et je n'ai jamais prononcé ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais crié, même fait le Congo ça, n'importe qui que Gringa a voulu que je monte le dossier de ses nièces. Oui, tu l'as voulu. Tu m'as vu crier. Mais puisque tu veux me salir, je vais te donner avec ta dose aujourd'hui. Toi, Gringa. Hein, maman, j'ai même eu pitié, tu as appelé les gens. Pourquoi on jette ton dossier? Gringa, tu as 5 francs. Les gens ont dit que tu déposes 2 millions de francs CFA. Pourquoi on jette ton dossier? Tu avais l'argent? Tu vas faire voyager tes nièces pour le Canada. Tu n'as même pas 2 500 000 sur ta poche. Tu as une rombière. Une fille qui a fait les camions en bengue. Pas fait les camions en bengue. Gringa, sors-moi une vidéo. Tu as montré les photos en soi disant que moi je vends le piment. À Calabasse, comment tu sais que comme moi, Priscaline, je ne veux pas une vendeuse de piment. Oui. Ici en Allemagne, même si tu fais quelque chose, tu fais n'importe quoi. Tu as compris? On saura. On ne se cache pas en German. Partout où tu déposes le pied, on connaît ton nom. Tu as compris, Gringa? Partout où tu poses ton pied. On connaît ton nom, t'es passé Gringa. Le simple mariage que les femmes de ton âge arrivent à bégayer comme ça là, ils se tapent même les blancs même. Tu as fait Gringa, tu as fait. Je t'ai d'abord au Cameroun. Tout ce que j'ai compris c'est quand t'as repassé. Maman, je préfère encore faire une relation. Et que la relation rame. Donc ça dit que t'es copain copine avec quelqu'un. Et que la relation rame. Après je mets ça de côté. Après je dis que oh au moins ce gars, le moins c'est pas marié. Mais toi Gringa, ta relation ne tournait pas. Tu as forcé. C'est moi qu'on a repassé. Maman, quelle est la blogueuse qu'on a repassé sur la toile? C'est pas toi, hein? Quelle est la blogueuse qui a forcé le foyer, maman? On me dit tous les jours que quand le mariage ne donne pas, porte ton sac, tu pars. Tu pars chez vous. Maman, tu n'as pas honte. Wouh, Gringa, la honte de ça. Tu as comploté pour qu'on enferme le pauvre Achille Dicolo. Ya, yeah. Tu n'as pas honte, Gringa. Le pauvre homme qui n'a plus la vie, donc il n'a aucun problème. Juste parce qu'il ne supportait pas. Tu faisais des insubordinations cartésiennes dans sa famille. Ya, yeah. Maman, on peut faire.
ton mari vient encore te trouver dans le lit avec quelqu'un d'autre. Petit escroc, mangiata. Tu me vois venir crier que wow, j'ai faim. Tu me vois, Riga. Hein, exploratrice. Hein, grand temps de bain. Zéro réalisation, maman. Tu dis que tu es blogueuse. Même dans les soirées, dis que tes collègues étaient invités dans les soirées. Tes collègues sont allés travailler le cap, Gringa. Tu étais assise, le guac te chope comme ça. Le guac de ça. Ouh, Gringa, tu as eu la chance. La chance que tu as eu, c'est qu'il y avait coïncidence. Que c'était une coïncidence. La soirée de Mafo et la soirée de Talolo. Là où tu as eu la chance. Sinon, si la soirée de Mafo était comme vendredi et que pour Talolo était après, tu devais me voir aller soutenir les Lomania. Si Lolo te doit quoi? Tu as menti. Lolo te dépasse. Demain, après-demain, et sud-demain. Et tu es consciente de ça. Tu es consciente, Gringa. Chef de camion rouge, qui ne te connaît pas à Paris, qui ne te connaît pas en France, hein? Qui ne te connaît pas, Gringa, qui ne te connaît pas, chef pimentier, maman, tandis que mes mamounes, hein, sont en train de dire que non, la vie c'est une place, oh, on ne fait plus nous la guerre, on sort des clashs, tu veux revenir jusqu'à mettre les enfants dans les clashs, hein, Gringa, tu es petite comme ça, Mingri, aujourd'hui, tu n'as pas honte qu'un enfant te pose sa caméra, l'enfant te lave, tu es déchet de la nature, tu as compris, non? Même le gars, c'est un Thierry qui avait toi là. C'est une pitiation. Il a eu pitié de toi, maman. On avait dit que tu as les quatre lettres. Ouh, il a cloué parce que hein, peut-être que tu l'aimes déjà contaminé, maman. Et pas mettre ton gars à l'intérieur parce que lui, il ne m'a jamais provoqué. Tu as un poids sur le gars là. Gringa, j'ai ma cousine à Bokamou qui mérite bien le gars là. Tu as compris? Gringa, tu mérites être seul. Crois-moi. Tu es la plus placement de produits. Tu es incapable. Et ça, il faut que tu appelles à chaque fois ta gruta. Tu as rendre. Et pas te donner la petite histoire des produits. Tu essaies de lire. Tu essaies de lire et puis tu viens capturer tes fans. Ya. Tu as vu quand Tata Lolo avait pris les produits de Yenga. Tu as vu comment, tu as compris les chiffres d'affaires, le guac de ça, la jalousie. La jalousie, quand tu sais que tu n'as pas le don de vendre, c'est la raison pour laquelle tu as laissé Clarisse et Yenga. Tu as laissé Clarisse parce que tu es nul. Une autre blogueuse, quand tu m'occupais là-bas, tu dis que oh, moi aussi je dois faire les chiffres d'affaires. Rien comme ça. Quand on parle des vraies blogueuses, les blogueuses, c'est que quand tu leur donnes ton contrat, tu es assuré. Oui, il s'agit de Mafo et Tata Lolo. Sur l'affaire de Clarisse et Yenga, vous avez compris les chiffres d'affaires. Comment Tata Lolo a dit qu'il était après de 15 000 euros. Merde, en combien de mois? Maman, moi pour vendre les produits là, c'est une autre chose. Hein. C'est une autre chose. Petit escroc. Gringa, tu es escroc. Tu es venu demander l'argent des abeilles ici. Gringa, maman, j'ai cotisé. Mais il t'a pas dit que j'ai cotisé. Parce que vous, on vous connaît. La dernière fois que la rose 237, elle a cotisé. Tu es venu saboter la rose de la Mondovision. Oui. Tu es venu saboter que wow, elle a donné un pouce à la mère que 300 000 francs. Tu es une saboteuse. Tu ne vas jamais me voir sur tes pas. Jamais de la vie. Tu es la plus mauvaise des réseaux sociaux. Tu as compris, non? Tu es la plus mauvaise. T'as compris? Mais au moins, tu te fais des idées seules. Ouais. Si au moins j'avais vendu le piment, toi et moi on est venu concurrencer. Mais là, je te dis, François, Marco, toi et moi on n'est pas collègues. Hein? On n'est pas collègues. J'ai jamais vendu le piment. T'as compris? Je suis une jeune fille. Toute jeune fille peut avoir des relations. Oui. Et après la relation chute. T'as compris, Gringa? T'as compris? Mais toi, tu étais avec ton gars. Tu es parti t'asseoir, tu vendais à chaque fois. Tu vendais. Les gens te tamponnaient dans les camions. Gringa. Sale jalouse. Sale jalouse. Tu es jalouse de ma reine, mais. Tu es jalouse. Tu m'as vu. Quand ma marraine m'a valorisé. Comme moi, j'avais posté cette photo. Quand j'avais 20 ans. Pour ceux qui critiquaient que non, une femme n'a pas fait comme ça. Même ma famille, ils ont déjà vu cette photo. Même les membres de ma famille. Même mes oncles, mes tantes et consorts. Maintenant, c'est quelqu'un qui m'avait dit que, Priscaline, je pense là que la photo là, c'est pas. Que je pense que cette photo n'est pas bien pour ton image. Qu'il faut supprimer la photo. Les gens vont interpréter mal cette photo. Comme aujourd'hui, Gringa, celle qui ne sait lire ni écrire, elle a pris cette photo, elle a déposé sur son calibre. Pour pouvoir m'insulter, pour pouvoir m'offenser. Ma chérie, tu ne peux rien me faire. La photo là, non. Ça va te mettre au work. Cette photo là. Ça va te mettre au travail. Oui, la photo là. Et la période que je faisais mon buzz sur Ahmed Kamer, c'est moi qui avais envoyé la photo là à Antoine Bachot. Comme Bachot, il faut que tu me lances dans la diaspora. Si ce Bachot là, il est conscient, il va vous dire que c'est la vérité. Il va dire que lance-moi dans la diaspora. Je travaille avec Antoine Bachot. C'est même la période que je faisais mes lives au Cameroun. Il y a des jours comme ma page ne marchait plus. Il y avait des jours où je faisais les directs avec une personne, deux personnes, mais avec que Bachot. Qui propulsait la page. Il n'y avait que Bachot qui me soutenait. Il était le seul. Oui, c'est lui qui m'aidait dans le buzz là. Pour qu'on fasse mon ancrée dans la diaspora. Jusqu'à, wow, je suis ancré avec une histoire. J'ai inventé un Jacques. Wow. On a sorti les histoires. Même de comme il connaît l'histoire. Oui. De comme connaît l'histoire. Bachot connaît l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il supporte Sangriga. Il va vouloir faire un peu comme si. Toi, Bachot, tu connais que Priscaline n'a jamais vendu le piment. Tu connais que c'est une digne fille. Oui. Tu connais que c'est une digne fille de la Ménois. Si je vends, est-ce que si je vends le piment, j'aurais peur de dire que je vends le piment. Attendez, on a vu plusieurs personnes ici, hein, qui sont proclamées, qu'elles vendent le piment, hein, mais elles n'ont pas nié. Et surtout quand les gens ont les preuves, hein, surtout quand les gens ont les preuves. Si je vendais le piment, maman,
Comment c'est qu'à l'heure sinon? C'est que je suis la star peut-être qu'en Allemagne. C'est qu'à l'heure si tous les milliardaires de German me know. Mes chers frères et sœurs, depuis que je suis arrivé en German, la seule soirée que j'ai mis mon pied, c'est sur la soirée de Mafou. La seule soirée. Les gens m'invitent tous les jours. Mais je ne pars pas. Ce n'est pas les moyens qui me manquent. Hein? Non. C'est parce que je suis venu ici là. Donc quand on me voit à mon GoVision, je fais mon tapage ici comme ça. Après c'est bon, hein. Je fais ma caméra, je ne suis plus avec vous. C'est comme ça. Donc quand je fais mon direct, je ne suis plus. Les gens vont me voir. Ils auront l'impression que wow, Priscaline c'est là. C'est une Rainga. C'est ici, c'est là. Dites à ma faux. Même à la soirée. Si j'étais une fille vulgaire, ça devait se savoir que Priscaline était une fille vulgaire. Même à la soirée. Si j'étais même debout, c'est m'amusait. Parce que ma faux était là. Oui. Si ma faux n'était même pas là, c'est qu'à la soirée, je suis rentrée même à 2 heures. Mais j'ai dit non. Je vais ma maman faut elle invitée. Dès que maman faut rentrer, moi, dès qu'elle rentre, moi je vais rentrer. Je vous dis, moi au Cameroun quand elle sortait, hein, quand elle sort, peut-être qu'à 22h comme ça, là, il y a les heures là. Donc, dès que j'ai bu mon vin, hein, un verre, deux verres. Après ça, moi, elle rentre. Je ne suis pas là que je veux sortir, que je sors la dernière de la soirée parce que j'aime trop. Je ne suis pas trop fan du dehors. Qui me forçait? Pas toi qui m'encourageait à clasher Lolo. C'est pas toi. Wow, mes filles, il faut appliquer. Il faut bien clasher Lolo. Parce que t'es en bout. Comme tu étais fatigué. Comme dans ta TKC, personne ne peut déposer ta caméra. Tu as voulu m'utiliser. Comme moi, je viens clasher. Tu viens clasher Lolo. Oui, tu étais contente. Tu viens, tu partages. Tu partageais trop parce que tu m'aimais. Tu partageais parce que je clashais la Lomania. Oui, c'était bon à toi. C'était bon à toi, non? Hein? Attends, Gringa. Toi-même, hein? Parlons vrai. Toi-même, Gringa, tu te disais que j'allais boycotter ma mafo pour aller m'asseoir avec toi. Hein, Gringa? J'allais laisser ma mafo pour aller m'asseoir avec toi. Toi-même. Parfois, même quand vous êtes sur la toile, il faut réfléchir. Hein? Maman, tu t'es fatigué de rester à la fenêtre, Adama. Donc, tu t'es fatigué de rester à la fenêtre. Tu m'as dit que non, l'appétit, si je veux faire ça, dure. Hein? Dès que tu as eu la mangue depuis. Gringa, tu connaissais, quand tu connaissais les photos là depuis. Parce que tu as vu, tu as eu le macabo. Quand j'ai dit que maman faut une place. Oui. Tu as eu le macabo. Tu as mal pourquoi? Pourquoi tu as mal? Si tu te comportais bien, hein? J'allais même arranger la paix. Il y a même une abeille, il y a une TKC qui m'a supplié que Priscaline arrange la paix avec les incompressants, hein, avec Gringa et Mafo. Elle dit que, mais attendez, Mafo a quel problème? Mafo n'a pas un problème avec elle. Mais c'est elle qui provoque Mafo. C'est toi qui provoques. Toutes les blogueuses ont dit qu'elles ne clashent plus. Le nom des blogueuses, c'est sale aujourd'hui à cause de personnes comme toi, Gringa. Toutes les blogueuses, t'as le droit de dire qu'elles n'est plus dans les clashs. Mais toi, tu veux toujours rester dans la baliveine, dans la saleté. Hein? Tu veux tout rester dans la saleté. Sale jalouse. Va prendre le micro comme Lolo. Lolo a pris le micro, elle a chanté. Ses fans étaient contentes. Ya, Gringa. Va prendre ta part de micro, tu chantes. Ya. Tu pars dans une soirée. Tu arrives à la soirée des abeilles. Tu allais te coincer sur ton gars comme si ton gars t'empêchait de faire les directs. Tu n'as même pas valorisé la soirée de maman Fou. Tu étais jalouse. Eh, hey, ma veuve, je vais qu'elle sortie avec c'est qui là, hein? Avec la petite là, c'est qui là, hein? Un gars ou c'est un gars mouette. Même la veuve, je a encouragé. Même un gars mouette, elle a tellement valorisé cette soirée. Toi, tu n'es que rouk. Ça jalouse. J'ai même appris aussi que tu es en train de vouloir organiser les soirées. Wouh! Elle dit qu'en Gringa, tu ne peux pas. Je te lance un défi. Organise ta soirée. Je vais voir tes fans. Je vais voir si c'est que tu as les TK ou dans le caniveau. Oui. Ma faut organiser, tu as vu, non? Parce que Lolo n'organise pas. Lolo organise une soirée, tu verras. Tu vas voir comment, hein, les fans vont venir, comme plou, 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 plou. Gringa, quand je me balade ici en German, quand tu parles dans les Nganda, quand tu écoutes le commissaire d'Nganda, les trois blogueuses qu'on prononce leur nom, la première, il y a Mafo. Après, il y a Tata Lolo. Après, les gens disent que j'aime aussi la veuve joyeuse jusqu'à. Je n'ai jamais entendu que j'aime Gringa. Une dame joie. Je n'ai jamais compris que j'aime Gringa. Toutes les gars de l'Allemagne, les filles de l'Allemagne, c'est Mafo et Lolo. Disons la vérité vivant. Gringa, toi, c'est qui? Qui te connaît? Tu te fais un nom derrière Mafo. Oui. Tu te fais un nom derrière Mafo, Gringa. Assume. Dis merci. Dis merci à la Mafo. Pitiation de ton état. Gratteuse d'argent des abeilles. Tu cours. Elle est partie quand Mafo part à la soirée. Où c'est? Aux États-Unis. Les abeilles t'ont donné les sacs quand même, non? Les abeilles t'ont donné où c'est les 200, où c'est les 300 euros, non? Les abeilles ont cotisé pour ton litchi, non? Gringa, je vais encore voir la personne qui va cotiser pour toi. Je vais encore voir. Si ma reine ne veut pas te dire la vérité, non? Je te tape le dicalo. Et tu. Je vais boycotter. Je vais tout faire. Comment faut-il te parler plus? Parce que là, tu as encore la force parce que tu dis que ma copine est moi. Ce n'est pas ta copine. Tu comprends? Moi, faut te gérer dans la stratégie. Tu as compris? Moi, faut pas prendre une fille, hein, une vieille chouette qui insiste son frère. Maman, tandis que nous, on protège les familles, toi, tu mets ton frère au carrefour. Et tu veux que le président te respecte? Hein? Hein, Gringa? Hein? Tu veux qu'on te respecte? La famille, vous-même, vous avez écouté comme moi, Priscaline. Premièrement, déjà, ce que le loyer a dit, c'est que. Je soutiens Priscaline. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe ici, nous tous on voit. Depuis Compressor, quel qu'en soit peut-être le fois les sorties que Priscaline fait, Compressor n'a jamais répondu. Oui. Moi, je vois juste que peut-être ça a un lien parce que
Priscaline était avec la soirée avec Fleur Delis. Elle s'est filmée. Ils ont dansé ensemble. Vu que Priscaline est partie voir sa star. Et voilà réellement pourquoi Compressor est sorti. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la sortie de Compressor jusqu'à exposer les photos de Priscaline. Jusqu'à dire dans son direct que telle mère, telle fille, elle voulait parler, dire quoi. Question. Pourquoi? Parce que j'ai bien suivi son terrain. Elle a encore tous les droits sur ça. Pourquoi? Parce que ça peut lui piquer là. Même le terrain, elle ne vend plus. Si peut-être Christian de Monaco lui donne peut-être 25 bâtons, elle peut rembourser jusqu'à dire comme quoi, apparemment, la femme qui a payé son terrain n'a pas encore fini de verser l'argent, le rendez-vous, elle n'a pas respecté. Pour moi, en fait, je vois juste qu'elle veut clasher Flore, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle a peur que les gens vont dire que maintenant, non, elle est donc obligée de s'attaquer maintenant de toutes ces personnes-là qui s'approchent de Flore. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas me dire comme quoi Priscaline n'avait aucun problème avec Compressor. Tout simplement parce que Priscaline et Flore se sont rencontrés à la soirée. Voilà donc Antoine Bachot. Lui-même aussi un bon manipulateur. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas le fait pourquoi Antoine Bachot, sauf si peut-être c'est comme ça, peut-être qu'il a appelé Antoine Bachot de mettre ses photos-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi depuis Antoine Bachot n'a pas mis ça? Question. Donc c'est juste pour vous dire que les réseaux sociaux que vous voyez ici, nous surtout voyons comment ça se passe. D'autres gens ont dit que non, c'est Antoine Bachot qui a posté le compresseur à récupérer. Il a posté ça au hasard. Non. Nous voyons juste la manipulation. Oui. Priscaline en allait faire des formations. On voit comment Priscaline a commencé sa formation depuis. C'est maintenant que peut-être Nicole vient aussi de commencer. Mais comme Abodi, ce qui est en train de se passer ici, c'est Compressor qui est l'auteur. La postine n'a pas dit qu'elle vend le piment, mais c'est Compressor qui vient dire que comme quoi Priscaline vend le piment. Je veux dire, supposons qu'elle vend le piment. Elle-même, là, on lui a traité de tous les noms. Elle-même, elle a essayé de se justifier qu'elle n'a pas vendu le piment. Non. Pourquoi donc? Si toi, on t'accuse de quelque chose, et toi, tu as essayé de te défendre sur les réseaux sociaux, et toi, tu viens accuser d'une une autre personne la même chose que toi-même, tu n'aimes pas. Et c'est la partie-là qui dit que même vos orphelins que vous mettez toujours devant là, je me pose beaucoup de questions. Famille, vous-même, vous avez écouté comme moi, Priscaline a essayé de se défendre. Elle vous a dit comment ces photos-là ont fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est juste pour vous dire que les réseaux sociaux que vous voyez, il y a trop la manipulation. Oui. Mais tout ce que Goya a dit, c'est que Compressor, ce qu'elle est en train de faire actuellement, ça ne l'honore pas. Ces blogueuses-là décident de laver leur image, mais on se rend compte que ce qu'à propos de Compressor, c'est elle qui décide que même si Antoine Bachot a fait de ne pas récupérer et dit comme quoi Priscaline vend le piment, pour elle encore, elle voit que. Et c'est elle qui est ambassadrice d'une marque, elle est en train de salir ce produit-là. En tout cas, merci encore à bientôt pour le prochain.